la gauche, il va peut-être pouvoir centrer Kay. Un bon centre au deuxième poteau pour Stevanovic, la tête. Est-ce qu'elle... Oh, elle frôle le poteau, cette tête de Stevanovic. Malheureusement, elle passe à quelques centimètres et ça donne du coup 1 mètre pour Von Balmos, mais on était vraiment pas loin de l'ouverture du score pour les Servettiens sur cette magnifique tête de Stevanovic. Faire quelque chose du ballon, non. Ondua qui, ouais, qui a un peu de chance, qui arrive à trouver Tazar côté gauche. Tazar, il va affronter, c'est bien vu en direction de Vitriche. Vitriche qui se retourne pour frapper une deuxième. Et goal ! C'est Tazar ! Et goal ! Magnifique ce goal ! Bien joué de la part de Tazar qui avait pu décaler Vitriche. Vitriche a probablement tenté plutôt de tirer. Le tir a été un petit peu compliqué sur ce terrain. Et c'est revenu finalement sur le pied gauche de Tazar. 1-0 pour les Servettiens ici à la 61e minute de jeu. Ballon pour Kay, est-ce qu'il arrive à la gagner? Non, ça revient sur Tazar, Tazar va se remettre, Tazar va peut-être pour combien? Non, il se remet face au jeu, il frappe et goal! Et goal! De doublette Tazar au bout d'une minute! Magnifique frappe de Tazar! 2-0 pour les Servettes! C'est magnifique, tu vas nous faire vers le Tazar! Merveilleux! Oh là là, mais c'est un festival de Marol Tazar! Il a récupéré le ballon dans la rondie des 20 mètres. Il a vu qu'il n'y avait pas grand monde juste autour de lui, il s'est dit que ça se tentait. Et Von Balmos, pris dans la boue sur les talons, se fait transpercer. Yapikino et Ondua. Yapikino qui a trouvé Tazar. Tazar qui trouve Cognac, qui va remettre un centre dans la boîte du pied droit pour Kay peut-être. Une tête. Et goal de Vitriche. 3-0 pour Servette face à Young Boys qui aurait pu y croire avant le début de ce match.